Il déambule seul, très seul, mélancolique, dans une galerie des glaces plus longue que celle du château de Versailles, éclairée de 2000 bougies. Il n'aime que les opéras de Wagner, qui lui font un peu oublier qu'à quelques kilomètres de ses châteaux, on se console lourdement à la bière dans les tavernes de Munich. Lui, il a soif d'absolu. C'est un prince de contes de fées, un désespoir pour les psychanalystes. Bref, c'est le roi Louis II de Bavière. Ces châteaux, comme l'impressionnant Neuschwanstein, Louis II les a rêvés, dessinés, édifiés en plein 19e siècle comme des monuments à la gloire de sa nostalgie fantasmée. Devant pareil personnage, il est un peu facile de forcer le trait. On dira vite qu'il est fou, incontrôlable, méfiant ou misanthrope. Et prenons prétexte de ses dépenses et de sa manie des bâtiments, on le ridiculisera avant de le mettre à l'écart, de lui ôter tout pouvoir, de le séquestrer et finalement de lui offrir une mort romantique mais pathétique au bord d'un lac noir. Pourtant, vous allez découvrir, en même temps que son œuvre de bâtisseur à laquelle des millions de visiteurs rendent hommage aujourd'hui, que Louis II de Bavière n'est pas un psychopathe. Et si Élisabeth d'Autriche, la célèbre Sissi, va rechercher sa compagnie et ses conseils, si tant d'artistes vont le fréquenter, c'est qu'ils comprennent que ce trop jeune homme pour régner poursuit de nobles rêves face à des politiciens à courte vue. Ainsi va-t-il sauvegarder l'indépendance de son royaume menacé par la Prusse. Mais combien va peser son bilan politique devant les assoiffés de pouvoir qui, sans le moindre procès, l'ont déjà condamné ? À 18 ans, lorsque Louis II monte sur le trône de Bavière, il est peu préparé à cette lourde charge. Mais son charme, son charisme en font le plus beau souverain d'Europe. De quoi faire oublier aux Bavarois sa trop grande jeunesse et son inexpérience. C'est LE jeune premier romantique absolu. Il a ce qu'on appelle tout simplement la grâce. En quête d'absolu, fuyant la vulgarité de son époque qu'il déteste, il n'aura de cesse tout au long de son règne de se créer des décors féeriques dans lesquels il aime se réfugier, loin des regards. Il désire à tout prix construire sa vie dans le fictionnel, dans la légende. C'est aussi dans la musique du compositeur Richard Wagner que Louis II fuit une réalité trop pesante. Wagner, c'était un trip à l'acide pour Louis II qui lui permettait de partir très très loin. Un compositeur qu'il entretient comme une favorite. Fou de Richard Wagner, le roi l'est aussi de sa cousine Sissi, l'impératrice d'Autriche, avec qui il partage le plus secret et le plus intime. Tant ils se ressemblent. Il était épris de ce double de lui qu'il voyait en elle. Et ils se comprennent à mi-mot. Ce sont des âmes sœurs, en fait. Ne supportant aucun regard, c'est la nuit que le roi choisit de vivre, entouré d'invités imaginaires, comme Louis XVI et Marie-Antoinette. Il se lance dans d'interminables conversations. Il rit avec la reine de France. Il s'adresse à elle comme s'il était en fait son époux. Servi par des valets costumés à la mode de Versailles, Louis II s'attache à un cérémonial qui n'aurait pas déplu à son modèle absolu, Louis XIV, le roi soleil, à qui il dédie même un gigantesque et magnifique château. La construction de ce palais en 1878 est d'abord gardée secrète sous un nom de code, Maycostétal, qui n'est autre que l'anagramme du mot célèbre qu'on prête à Louis XIV, l'État c'est moi. L'État et surtout les affaires politiques, Louis II les a en horreur. Et c'est malgré lui qu'il participe à deux guerres tout en essayant de sauvegarder l'indépendance de son royaume face à l'esprit de conquête de la Prusse et de son chancelier de fer, Bismarck. Bismarck fait peur.
Mais ses excentricités incomprises, ses dépenses inconsidérées, finissent par lui coûter sa couronne. Et c'est un rapport accablant qui le condamne à un internement et à une fin des plus tragiques qui reste aujourd'hui encore une des plus grandes énigmes de l'histoire. Le souvenir de mon voyage en France et la découverte de mon Versailles adoré évoquent en moi la sensation d'un rêve merveilleux. Ce rêve merveilleux, Louis II ne peut se résoudre à le vivre seulement lors de ses rares séjours français. Il souhaite le prolonger ici, sur cette île enchanteresse de Herrenchiemsee, au sud-est de Munich. Et qu'importe le prix à payer, qu'importe le temps de réalisation, 16 ans tout de même, le souverain est bien décidé à construire son propre Versailles. Un hommage à ces Bourbons qui portent son prénom et qui sont pour lui de véritables modèles. Il est vrai qu'en découvrant cette façade deux siècles plus tard et ici en Bavière, Louis XIV n'aurait pas vraiment été dépaysé. Mais attention, ce n'est pas une simple copie que Louis II souhaite édifier ici. La consigne est claire, seulement citer et rester fidèle à l'esprit du roi Soleil. Il s'agit donc bien d'une réinterprétation, une vision de l'absolutisme français, mais à la sauce de Louis II de Bavière. Toute la splendeur de ce château s'exprime déjà dans cet impressionnant escalier, réplique exacte de celui des ambassadeurs au château de Versailles. L'original ayant été détruit au XVIIIe siècle, c'est à partir de gravures anciennes que Louis II reconstitue ce lieu magique. Seul anachronisme qu'il s'est autorisé, cette verrière toute XIXe siècle. On raconte que lors des séjours du roi de Bavière, on avait coutume d'orner cet escalier de milliers de roses et de lys. La rose, sa fleur préférée, et le lys, le symbole de la monarchie française. Pour Louis II, le roi Soleil est donc l'incarnation suprême de la royauté. Il est présent partout dans cet étonnant monument à sa gloire. Même en bronze, sur un cheval impétueux qui rappelle la statue équestre à l'entrée du château de Versailles. Mais cette royauté qu'il ne cesse de magnifier alors que l'époque n'est plus à la monarchie absolue, le souverain y est pourtant peu préparé lorsqu'il accède au trône le 12 mars 1864. Tout juste âgé de 18 ans, il écrit dans son journal intime « Je suis devenu roi bien trop tôt ». C'est un grand jour pour la Bavière, un jour de liesse. En plein cœur de Munich, dans la résidence, le palais royal, se presse ambassadeur d'Europe, tête couronnée, les plus hautes personnalités du clergé et tous les grands dignitaires de la Confédération germanique. Louis II s'apprête à être couronné. Nous sommes donc le 12 mars 1864. Le roi Maximilien, le père de Louis II, est mort deux jours plus tôt. Et tout d'un coup, ce jeune prince de 18 ans, qui devient roi, va être intronisé dans la grande salle du trône. C'est sa première présentation officielle. Il est intimidé. Et il a ce tic de regarder toujours un peu au-dessus des gens. Il faut le voir en manteau royal, avec les bottes vernis noires, cette casaque d'officier avec cette taille fine, quelque chose de viril et de féminin en même temps, mais il est très très beau. Il est magnifique, il passe à raison pour l'un des plus beaux princes d'Europe, si ce n'est le plus beau. La mort de son père deux jours plus tôt, feu le roi Maximilien II, est vécu par ce charismatique jeune homme comme une libération. Dans son journal intime, il n'a pas marqué « pauvre papa est mort » ou quelque chose pareil, mais il a marqué vraiment de haut en bas sur la page « roi, König ». Fier et séduisant, il est issu d'une des plus anciennes familles régnantes d'Europe, les Wittelsbach. Et c'est en plein mois d'août, dans l'élégant palais de Nymphenburg, à quelques kilomètres de Munich, qu'il voit le jour. C'est le premier héritier mâle, tant attendu. On a prévenu, bien évidemment,
le roi Louis, grand-père de l'enfant, et on hésite sur son prénom. Va-t-on l'appeler Louis ? Sa mère souhaiterait l'appeler Otton. Finalement, le vieux roi Louis insiste. L'enfant, né le jour de la Saint-Louis, le 25 août, portera également le prénom de son grand-père. Et les Munichois, dès le matin, auront la joie d'avoir leurs 101 coups de canon qui annoncent à la terre entière la bonne nouvelle. Le prince et la princesse héritière ont eu un fils. Ce fils est suivi 3 ans plus tard d'un autre garçon, Otton. Souverain comblé, Maximilien II et Marie de Hohenzollern ne sont pourtant pas des parents très attentifs à leur progéniture. Son père, Maximilien, on l'appelle le roi philosophe. C'est un homme extrêmement consciencieux. Ça, pour faire bien son travail, il fait bien son travail. Son désir, c'est d'être professeur d'université. Il est un peu, on va dire, plan-plan pot-au-feu, vous voyez, c'est un petit peu ça. Très différente de son époux, Marie, prussienne d'origine, est avant tout une sportive. La mère de Louis est une Hohenzollern. C'est tout le contraire de son mari. Elle est de 20 ans plus jeune que lui. Elle est très belle, elle a les traits très fins. Elle n'est pas du tout une femme de bibliothèque. Elle n'aime pas la littérature. Elle lui dit « Mon fils, je me vante d'avoir jamais lu un seul livre de ma vie. Vous feriez mieux de me suivre. En escalade dans les montagnes, c'est beaucoup plus sain. » Ce qu'elle aime par-dessus tout, ce sont la nature et l'alpinisme. Louis II n'aura jamais un grand attrait pour elle. Il l'appellera souvent la femme de mon prédécesseur, d'un air comme ça très distant, ou alors la colonelle. Il lui reprochera toujours cette rigueur prussienne qu'il n'aime pas du tout, qui est complètement contraire à l'âme bavaroise. Éloigné de sa mère et peu attaché à son père, le futur monarque hérite néanmoins de ses parents de quelques traits de caractère qui ne le quitteront pas tout au long de sa vie. Louis va hériter de sa mère ce goût pour la nature, ce goût pour les grands espaces, ce goût finalement pour la liberté et ce goût, je dirais, de l'altitude. De son père, il hérite ce goût pour les études et en même temps ce regard perçant. La vraie figure incontournable de son enfance est en fait son grand-père, le roi Louis Ier. Régnant au moment de sa naissance, c'est avec lui que l'enfant se sent en parfaite communion. Louis Ier, roi de Bavière, passe à l'époque comme un être très original. Il est né en 1786 à Strasbourg. Il a eu pour parrain et marraine Louis XVI et Marie-Antoinette. Il aime le beau, l'art. En 1804, il fait un voyage à Rome qui est la révélation de sa vie. Et Louis Ier voudra faire de Munich une nouvelle Florence, une nouvelle Athènes, une nouvelle Rome. Si l'art est primordial pour Louis Ier, les femmes, et plus particulièrement les très jolies femmes, sont essentielles. En témoigne son originale galerie des beautés au château de Nymphenburg, une collection de 36 portraits des plus belles dames d'Europe qui le font rêver. Parmi ces 36 femmes, on trouve aussi bien la fille d'un cordonnier que la mère de François-Joseph, l'archiduchesse Sophie, ou la mère de son petit-fils, Marie. Et 5 de ses maîtresses. Et parmi elles, la fameuse Lola Montès. Des yeux turquoises, une chevelure d'ébène, d'origine hispano-irlandaise, Lola Montès, artiste à 16 heures, fait danser les cœurs des hommes de pouvoir ou très fortunés. Son physique exceptionnel ne peut échapper à l'œil esthète du roi de Bavière. C'est un monsieur qui est déjà âgé. Lola Montès est une bombe, dirait-on aujourd'hui. Elle est très belle. Elle est danseuse, elle est comédienne, elle est tout ce qu'on veut. En fait, elle est gentiment nulle en danse, mais elle est ravissante. Il va la couvrir de largesse, il va lui décerner le titre de comtesse. Il va lui donner un hôtel particulier à Munich, des équipages, une garde rapprochée. Les Munichois vont protester, bien sûr, contre autant de prodigalité. Et il faut simplement attendre que la belle commence à se mêler de politique pour que, contraint et forcé, Louis décide de se séparer de sa belle. Et Louis, à ce moment-là, se décide à abdiquer. Une abdication qui marque le très jeune Louis II, comme l'empreinte laissée à tout jamais par ce grand-père adoré. C'est pourtant loin de lui, mais aussi de son père, Maximilien II, devenu roi, que le jeune garçon passe ses premières années. Digne d'un futur monarque, son éducation, malgré le cadre exceptionnel du château de Hohenschwangau, n'est pas des plus romantiques. À 9 ans,
sa gouvernante a été remplacée par le comte de la Rosée, qui était l'ennemi du rêve, un militaire qui a voulu élever Louis II à la dure. Levé à 5 heures du matin l'été, 6 heures l'hiver, professeur après professeur. Qui sont généralement de très vieux messieurs, extrêmement imposants, tous en noir. Et je pense notamment à M. Liébig, qui est l'inventeur du chloroforme. Ça en dit long sur la façon dont le monsieur va se servir de son savoir devant un petit garçon de 10 ans. Il est élevé par des gens âgés, par des militaires en retraite. Il n'a pas d'amis. Seul confident, Othon, le petit frère, suit son aîné dans les longues escapades autour du château. Et lorsque les petits princes passent de rares instants avec leur mère, les relations semblent bien distantes. Il y a une photo où on voit la reine Marie assise à table avec ses deux fils, Otto et Louis. Mais ça a juste l'air super chiant, pardon du terme, mais c'est des gens qui vivent dans les plus beaux palais d'Europe, qui ont des châteaux somptueux, dans des collines extraordinaires, et on les voit dans une espèce de salle à manger où il y a une table qu'on pourrait croire en formica blanc, avec une nappe ridicule, et il y a la reine avec un espèce de chapeau comme ça, avec des couvertes comme une bonne sœur, un fils à droite, un fils à gauche. Je pense que Louis II et son frère, l'enfant, c'est quand même une enfance super, super, super ennuyeuse. Face à l'ennui, peu de solutions pour le jeune Louis II, si ce n'est que de combler le temps grâce à des lectures de plus en plus frénétiques de Schiller ou de Victor Hugo. Le rêve devient aussi son occupation favorite. À Hohenschwangau, ce qui le passionne complètement, ce sont ces fresques qui représentent les légendes germaniques. Louis a besoin de s'évader dans ce monde fabuleux, de légendes, car il cherche une famille spirituelle. Ses parents ne le comprennent pas. Il cherche donc un substitut. Il était aussi dans les Chevaliers de la Table Ronde, il était dans l'épopée de Guillaume Tell. Il aimait les grandes épopées. C'est ça qui a bercé toute son enfance. Il a intériorisé finalement ses personnages et ils sont devenus en quelque sorte lui-même, alors qu'il avait au fond de grandes difficultés à construire sa propre personnalité. Il a besoin de ce monde, de la littérature, de ce monde des légendes, pour pouvoir supporter un réel qui déjà le déçoit. Dans ce monde des légendes, un héros remporte tous les suffrages. Le chevalier Lohengrin, souvent accompagné d'un cygne. Cet oiseau devient tout naturellement l'animal fétiche du jeune rêveur. Voilà un petit cygne, c'était un jouet du roi Louis II de Bavière. Évidemment, de posséder un cygne pareil, c'était quelque chose de grandiose. Le cygne avait à l'époque encore des petites roues, c'est-à-dire Louis II pouvait vraiment jouer le chevalier Lohengrin en tirant le petit cygne derrière soi-même. Je crois qu'il était très très heureux avec ce cygne, et même si on le regarde, on voit qu'on a joué avec ce cygne. À 13 ans, un livre offert par son père, le traité d'esthétisme d'un certain Richard Wagner, change son univers. Passionné déjà par le monde du compositeur, ce traité lui prouve, si besoin est, que l'art comme le rêve peuvent donner un sens à une existence. Il est donc prêt, 3 ans plus tard, à se rendre à l'Opéra de Munich pour vivre la plus grande émotion de toute son adolescence. Louis a 16 ans, quand pour la première fois, il va assister à un premier opéra de toute sa vie, Lohengrin, qui est le héros cher à son cœur. Et c'est, mais littéralement, un choc, mais électrique. Il est en extase, on le voit tendu vers la scène, pâle, presque transpirant. Il s'est mis à trembler pendant 5 heures. Les yeux complètement fixés sur le chanteur. Il a été fasciné par le décor et surtout par la matérialisation de sa vie fantasmatique. Tout d'un coup, c'était là, sur scène, présent, vivant et pour lui. Dans la musique de Wagner, Louis retrouve toute l'âme de l'Allemagne, tout ce qui l'a fait rêver, toutes les légendes. La vie de Louis II bascule à 16 ans devant cet opéra. Il est né ce jour-là. Hypersensible, épris d'épopée, acteur d'aventures héroïques loin de la réalité,
Louis II n'imagine pas que son adolescence prendra fin aussi subitement à la mort de son père. Un monde de devoirs et de responsabilités s'ouvre devant lui. Et maintenant, tu es le roi. Lorsque le père de Louis II, le roi Maximilien II, meurt en 1864, en effet, Louis II a 18 ans. Est-ce qu'il a été préparé pour le trône ? Certainement pas. Son père ne l'a jamais fait participer à la régence. Il était toujours en dehors. Et c'est pour ça que Louis II, quand il est devenu roi, il ne savait absolument pas quoi faire. Il déteste l'étiquette. Il déteste les grands dîners de gala. Il le fait parce qu'il faut le faire. Il est plein de bonne volonté, mais il a horreur de ça. À peine couronné, Louis II décide de ne rien changer à la politique de son père en gardant le même gouvernement. Comme Maximilien II, il a en tête de sauvegarder coûte que coûte l'indépendance de son royaume. Partie prenante de la Grande Confédération germanique, constituée de 35 États, dont la Prusse et l'Autriche se disputent la suprématie. Et c'est loin de ces querelles de pouvoir, avec le cœur de ses 18 ans, que le jeune roi souhaite avant tout rendre heureux les Bavarois. Les Bavarois, qui sont plutôt des gens sympathiques, assez joviaux, etc., ils ont vu arriver Louis II, qui était tout jeune, tout beau, tout grand. Ils ont dit, youpla boum, on va avoir un roi, ça veut dire qu'on va avoir un mariage, qu'on va avoir une reine, qu'on va avoir des gens jeunes, qu'on va avoir des fêtes, qu'on va avoir une atmosphère un peu plus sympathique et rigolote que celle qu'on a eue depuis 20 ans. Quand il accède au trône de Bavière, son projet n'est ni un projet concrètement politique ou militaire, c'est un projet artistique, comme lui a inculqué son grand-père Louis Ier. Ce n'est donc pas le roi Maximilien II, père distant et réservé, qui exerce une influence notable sur le futur monarque. Mais c'est lui qui offre à son fils, avec l'acquisition de ce château fort de Hohenschwangau, traduisez du haut pays des cygnes, un cadre des plus enchanteurs pour son enfance. Cet édifice crénelé, avec ce signe étrange à son sommet, n'a-t-il pas tout, en effet, du joyau romantique à la Walter Scott? Seuls les lions autour de la fontaine et la bannière bleue et blanche nous rappellent que nous sommes bien en Bavière, puisqu'ils en sont les symboles. Décorateur passionné comme son fils le sera plus tard, Maximilien II choisit pour son château un style néogothique qui est très à la mode au milieu du 19e siècle. Chaque meuble ici est créé spécialement pour ce lieu d'exception. Regardez par exemple ce fauteuil de lecture qui ne joue pas vraiment la carte du minimalisme. Il devait sans doute faire rêver le jeune Louis. Il est en cèdre du Liban et sert donc pour la lecture. Regardez, ici vous avez un pupitre qui est pliable. Et là, si je tire le repose-pied, vous découvrez les couleurs vives de la broderie d'origine. La chambre à coucher est aussi étonnante. Maximilien II l'avait décorée d'un ciel bleu azur. Mais à peine devenu roi, Louis II, qui est amoureux de la nuit, l'a fait repeindre. Le plus surprenant, c'est que ce nouveau plafond s'illumine. La plupart de ces étoiles fonctionnent avec un système ingénieux de miroirs et de bougies installées à l'étage au-dessus. Une technique qui permet à ce passionné de décor de fabriquer depuis son lit ses propres illusions. Et regardez, le roi s'amuse aussi, selon les jours, à jouer avec les quartiers de la lune qui s'éclairent elle aussi. Alors, roi de la nuit, oui, mais petite confidence, Louis II, comme un enfant, a très peur de l'obscurité la plus complète. Et je ne résiste pas à vous montrer ce qui se cache derrière ce décor. Derrière cette porte, vous avez le cabinet de toilette du roi. Mais derrière cette autre porte, il y a un escalier dérobé qui permettait à son père, le roi Maximilien II, de rejoindre son épouse, la reine Marie.
dans cette salle à manger dédiée à Lohengrin, le roi a la possibilité de vivre tous les jours, grâce à cette décoration, la légende de ce chevalier à la barque tiré par un cygne. Un chevalier, comme vous le voyez sur ce pan de mur, qui ne cesse de combattre, au nom de la pureté, le mal absolu qui est incarné par le cavalier noir. Un thème qui résonne très fort dans l'inconscient du souverain qui est en lutte contre lui-même. Mais Lohengrin, c'est aussi l'amoureux d'une duchesse aux longs cheveux blonds, Elsa, qu'il épouse avant de devoir la quitter, bien malgré lui, mais définitivement. Un écho singulier à la propre histoire de Louis II et de sa ravissante cousine, Sophie en Bavière. Autant l'enfance de Louis II a été triste et morne, autant ses visites au domaine de Possenhofen apparaissent en comparaison comme un vrai rayon de soleil. Nous sommes devant Possenhofen, et Possenhofen était appelé d'une manière beaucoup plus familiale et affectueuse, Possy. Parce que Possy, c'est vraiment la maison du bonheur. Dans cette bâtisse d'été située sur les rives du charmant lac de Starnberg, vivent le grand-oncle et la grande-tante du roi, Max et Ludovica, mais aussi une multitude de cousins. C'est une ribambelle de cousins qui organisent des jeux, qui mangent des gâteaux à la crème fouettée, on fait du cheval, on se baigne dans les lacs, on mène une vie finalement de famille bourgeoise, on fait de la musique et surtout on rit beaucoup. Et quand Louis et son petit frère Othon vont là, c'est une sensation de liberté inouïe. Ça change beaucoup de la rigueur de ses parents. Louis II de Bavière aime énormément cette famille. Particulièrement d'ailleurs sa cousine bien-aimée, Elisabeth, que nous continuerons à appeler Sissi. Il voit sa cousine Sissi caracoler sur son lit pisant et il est heureux. Il dit de Possenhofen que c'est le paradis de l'enfance. Mariée à 16 ans à l'empereur d'Autriche François-Joseph, Sissi doit quitter ce paradis nimbé d'insouciance. Un paradis qu'elle n'oubliera plus jamais. Sa petite sœur, Sophie Charlotte, devient alors à son tour la jolie confidente et la cousine préférée du jeune Louis II. Sophie Charlotte est la cadette de Sissi. C'est celle qui lui ressemble le plus. Elle est comme elle, très grande, très mince, très élancée. Vraiment, quand on voit des photos, parfois, on peut confondre les deux visages. Elle est ravissante avec ses très très beaux cheveux bruns au burn, taille mince, élancée, 1m70. C'est une jolie jeune femme, éprise d'absolu, qui aime Wagner. C'est aussi un point qui va rapprocher Louis de Sophie, qui sait très bien chanter, qui sait jouer du piano, et qui va finalement s'éprendre de son cousin, parce qu'il est beau. Une inclination qui arrange la mère de Louis II et les parents de la jolie cadette de Sissi. Ludovica, qui ne pense qu'à marier ses enfants, se dit tout d'un coup: eh bien, si ma fille devenait reine de Bavière, ça serait peut-être pas si mal. J'en ai une impératrice, pourquoi j'en aurais pas une reine? Et un beau matin, le jeune roi se précipite au chevet de sa mère et lui dit: maman, soyez contente, j'ai l'intention d'épouser Sophie. C'est un grand moment pour l'avenir de la dynastie des Wittelsbach. Ludovica est absolument ravie. Le peuple de Munich est fou de bonheur. Les Bavarois boivent de la bière et du champagne. On se prépare à célébrer une belle noce royale. À peine fiancée, la cour que Louis II fait à sa belle et sensible cousine se révèle fantasque et théâtrale, à l'image de son caractère. Louis écrit à sa fiancée des lettres passionnées qui débordent d'amour. Elle est l'incomparable, elle est l'amie merveilleuse, elle est ravissante, elle est intelligente, elle est cultivée, elle aime Wagner. Oh, chère Sophie, que c'est merveilleux que vous aimiez Wagner. Nous allons pouvoir jouer du Wagner du matin au soir et du soir au matin. Nous allons pouvoir chanter du Wagner. Ce que la vie est douce et formidable. La nuit, il se rend à son domicile et il lui apporte d'immenses bouquets de fleurs. Il la réveille en pleine nuit. 1000 roses, vous entendez bien, 1000. Et il faut tout de suite qu'elle lui adresse une lettre de remerciement, sinon il est vexé. Il est dans une fièvre de préparatifs complètement insensée, qui déborde de tout à fait Sophie et sa famille. Une frénésie suspecte tant elle absorbe le jeune roi de 22 ans. Louis II entreprend de retapisser un appartement pour Sophie à la résidence, passe commande de services de porcelaine à leurs effigies et remet au goût du jour
l'un des plus somptueux carrosses en sa possession. Louis II appréciait tellement ce carrosse, qui était l'un des plus beaux de la famille royale, qu'il a décidé de l'utiliser pour le jour de la cérémonie de son mariage avec la princesse Sophie. Je vous ouvre la porte pour que vous puissiez aussi découvrir l'intérieur. Ce sont encore les textiles d'origine qui datent du XVIIIe siècle. Sur le côté du carrosse, il a fait rajouter le blason de la Bavière et il a modifié les peintures originales afin qu'elles illustrent mieux son royaume. Louis II a voulu constater l'effet visuel produit par le carrosse restauré et embelli. Pour cela, il lui a fait traverser tout Munich à vide. C'était en sorte pour lui une répétition de son futur mariage. Il était attelé à 8 chevaux, un privilège réservé au roi. Les autres nobles ou grands dignitaires n'avaient le droit d'utiliser que 2 ou 4 chevaux. Et le roi a choisi des chevaux blancs comme symbole de son pouvoir. Si le carrosse est donc prêt pour la future cérémonie, Louis II souhaite aussi se consacrer à l'un des plus beaux et précieux trésors de la famille royale, la couronne de la reine. Nous sommes ici dans la salle au trésor du musée de la Residenz à Munich. Et derrière moi, vous pouvez découvrir les symboles du pouvoir de la famille royale des Wittelsbach, comme cette magnifique couronne qui date de 1806. La plus petite, celle de la reine, a été transformée par Louis II en vue du mariage avec la princesse Sophie. Il a par exemple tenu à ce qu'elle ressemble moins à la couronne du roi, très dorée, en ajoutant nombre de perles et de diamants, exactement dans le goût de ce qui se faisait en France à l'époque de Louis XVI. Le roi avait en effet une véritable passion pour la reine Marie-Antoinette et il souhaitait que Sophie Charlotte lui ressemble. Ces rénovations et modifications effectuées, comme pour tout mariage royal, une photo officielle est aussi commandée. On voit la petite Sophie qui a l'air toute sage, toute mignonne, toute serrée dans sa petite robe. Et qui s'imagine être la plus heureuse des femmes, ne va-t-elle pas devenir reine de Bavière? Mais à côté d'elle, il y a ce très long jeune homme. Il y a Louis, dont le regard est complètement ailleurs. On ne voit pas un Louis éperdu d'amour. On a le sentiment qu'il ne regarde pas dans la même direction que sa fiancée. Et déjà, on se dit que ce mariage, s'il a lieu, ne sera pas heureux. Cherchant néanmoins à y croire, Sophie Charlotte tente de ne pas se formaliser des bizarreries de son cousin, même de la plus inquiétante d'entre elles. Que tes yeux sont beaux, Elsa. Depuis l'annonce de leur fiançailles, Louis II ne cesse en effet de la prénommer Elsa. Louis voit en Sophie une héroïne wagnérienne. Elle est Elsa. Elle est la Valkyrie. Elle est ce personnage qui n'est certainement pas une femme incarnée, un air de chair et de sang, non. Elle est un être pur. Sophie, c'est trop réel. Sophie, c'est la femme de chair. Et c'est la femme qui lui fait peur. Sophie aimerait peut-être qu'il la regarde d'une façon certainement moins pure. Et lui en est incapable. Il ne l'embrasse pas. Il baise ses mains. Mais il faut encore qu'elle soit gantée. Elle a essayé qu'il y ait des petits gestes de tendresse, au moins un baiser, et elle a bien senti qu'elle était repoussée à chaque fois. Et il se sert de Sophie pour être le personnage de son rêve. Mais Sophie, dans cette configuration, vit la chose de façon cruelle, parce qu'elle a de l'amour pour ce beau cousin que lui n'a pas pour elle. Plus les mois passent, plus Louis II a du mal à se résoudre à épouser une femme de chair et de sang, qu'il n'aime pas comme on l'attendrait d'un homme. N'y tenant plus, le roi finit par rompre les fiançailles après une lettre émouvante adressée à sa jolie cousine. Et cette lettre de rupture, je me souviens de quelques termes. « Ma chère Elsa, restons pour toujours et à jamais un frère et une sœur bien-aimés. Mais pour des raisons très profondes et qui sont liées justement au plus grand des amours, je ne puis vous épouser. Pouvez-vous accepter de rester ma chaste divine et chère Elsa ?» Et il confie à son secrétaire combien, maintenant que ce mariage est enfin rompu, il peut respirer. Il est soulagé du cauchemar
car pour lui, ce rapprochement avec une femme, fût-elle Elsa, hein, était un véritable cauchemar. Il ne pouvait pas en supporter l'idée. Il est amoureux de son absolument semblable. Il est amoureux de l'homme. Il est homosexuel. Ce sont effectivement les muscles saillants des bûcherons en pleine action qui émeuvent dès l'adolescence le jeune Louis II lors de ses randonnées en montagne. À 17 ans, il noue même une amitié amoureuse avec un cousin germain, Paul de Tournon-Taxi. Mais ses tendances homosexuelles sont vécues par le roi comme une souffrance infinie. L'homosexualité à l'époque dans cet univers-là est juste le truc le plus épouvantable. C'est quand même le summum de la bondieuserie dans toute son horreur. On engonce les gens, on les condamne en les faisant vivre dans une espèce de schéma perpétuel de péché, de culpabilité. Et l'homosexualité, c'est juste le péché absolu. Ce type est roi, il est chef d'État, il a une vie publique et il est affligé de la chose la plus atroce que toute l'époque condamne absolument. Souvenez-vous du procès d'Oscar Wilde. Souvenez-vous qu'on l'a déchu de ses droits de paternité, qu'on lui a pris tous ses biens, qu'on l'a envoyé aux travaux forcés. C'était considéré comme un crime, l'homosexualité. En Angleterre, les lois étaient très contraignantes. En France, les lois étaient très, très libérales. Et vous savez pourquoi les lois étaient libérales en France ? Parce que le code civil a été rédigé par Napoléon Ier. Napoléon Ier n'était pas favorable particulièrement aux homosexuels, sauf qu'il avait un chancelier qui s'appelait Cambacérès, qui était juste totalement homosexuel. Et Cambacérès a fait omettre du code civil tous les articles qui pouvaient contraindre l'homosexualité. Ce qui fait que la France a toujours eu cette libéralité législative. Ce qui ne veut pas dire que le regard de la société était facile. Chaque jour, page après page, dès l'âge de 13 ans, le jeune Louis II couche dans ses carnets intimes la lutte poignante qui l'anime et dont il n'arrive malheureusement pas à se libérer. Dans ses carnets, il ne parle pratiquement jamais de politique. Il ne parle pas des différentes guerres de son règne. Il ne parle pas finance, il ne parle pas diplomatie, non. Il parle de son rapport à son propre corps. Alors ce journal est tantôt tenu en français, là c'est en français, tantôt en allemand. Quelquefois c'est signé le roi, quelquefois c'est signé Ludwig ou Louis. Et il s'interdit absolument de tout ce qu'on peut permettre à un corps. Il n'a pas le droit de se masturber, il n'a pas le droit de jouir avec ses amants, il n'a pas le droit de les embrasser, il n'a pas le droit de les caresser. Enfin le pauvre, il voudrait être dans une pureté totalement surhumaine. C'est une lutte, mais une lutte au cours de laquelle il est toujours vaincu. Toujours. Quand il s'exhorte justement à la chasteté, il appelle à la rescousse les rois de France qu'il aimait tellement, Marie-Antoinette, Louis XVI, qui peuvent évidemment pas grand-chose pour lui. Il avait des conjurations magiques pour ne plus se souiller. Et se souiller, pour Louis II, évidemment, ça voulait dire souiller la royauté, souiller le royaume de Bavière. Pour lui, un roi est d'abord l'élu de Dieu. C'est un homme qui se doit à son peuple, qui se doit à sa dynastie. Or, être un roi qui aime les garçons est pour lui le pire des cauchemars. Empreint d'un immense sentiment de culpabilité, Louis rencontre néanmoins au moment de ses fiançailles avec Sophie Charlotte celui qui est sans aucun doute le chevalier dont il a toujours rêvé. Un Lohengrin aux yeux bleus et aux cheveux blonds dont il va faire son compagnon de cœur préféré, Richard Horning. Richard ne va pas seulement être un amant parmi tant d'autres du roi de Bavière. C'est aussi un homme sur lequel le roi peut entièrement compter. C'est pas seulement son directeur des haras royaux, c'est aussi son secrétaire, c'est son homme de confiance. C'est lui finalement qui le met à l'abri du monde et de sa vulgarité. Et c'est donc avec lui, et non pas avec celle qui aurait dû être la nouvelle reine, qu'il décide de partir en lune de miel à Paris. La ville qu'il rêve de découvrir depuis toujours. Avec Richard Horning, Louis va entreprendre un voyage sous un nom d'emprunt. Il va se rendre à l'exposition universelle. Il va visiter Versailles, ainsi que Compiègne, où il sera invité par Napoléon III. Et il découvre également Pierrefonds. Il va à Pierrefonds, qui est restauré par Viollet-le-Duc, qui donc est une ancienne forteresse du XIIIe siècle, qu'on est en train de remettre complètement sur pied, les donjons, les machicoulis, enfin bon, la forteresse comme on peut rêver. Et il est vraiment complètement fasciné par Pierrefonds. Pierrefonds, c'est pour lui le château idéal médiéval, et ça lui donne une idée pour son château de Neuschwanstein.
Lorsqu'il se décide à créer Neuschwanstein, il a un seul souhait, quelque chose qui soit extraordinaire, qui dépasse même les imaginations. Et ce n'est pas un hasard si, pour ce faire, il choisit le décorateur de l'opéra de Munich. C'est à ce décorateur d'opéra, c'est à ce concepteur, finalement, de décor de théâtre, qu'il demande de lui créer ce château, qui n'est pas autre chose qu'une vision de l'esprit, qu'un rêve non pas tant architectural que purement esthétique, inspiré de la mythique germanique, dont il est tant épris. Le château de Neuschwanstein, en français la nouvelle pierre du cygne, est sans doute l'un des rêves les plus fous du roi. Il est un hommage à tous les héros des opéras de Richard Wagner. Cette cour, par exemple, est inspirée de l'acte 2 de Lohengrin qui a tant bouleversé Louis II lorsqu'il était adolescent. Il faudra 17 ans pour édifier ce fantasme digne d'un conte de fées et des techniques de construction d'avant-garde à cause évidemment de sa situation quasi inaccessible sur ce piton rocheux. On crée même, pour les nombreux ouvriers, tous habitant les environs, la première assurance sociale de Bavière. Et c'est de ce bâtiment, en face de moi, le premier en place, que Louis surveille de près l'avancée des travaux. Mais le pauvre ne verra malheureusement jamais abouti son rêve de pierre qui reste inachevé. Cette forteresse que le roi conçoit comme celle des chevaliers de la Table Ronde n'est pas faite, comme tous ses châteaux d'ailleurs, pour recevoir une cour, mais plutôt pour nourrir sa propre imagination. Cette salle, par exemple, est un hymne à la légende de Parsifal. Et c'est même pour la créer que Louis a imaginé tout l'extérieur médiéval qui lui sert d'écrin. Comme Lohengrin, Parsifal est un courageux jeune homme qui part combattre le mal, un certain chevalier rouge. Et comme Lohengrin, il y parvient et après beaucoup d'épreuves, devient roi du Saint Graal. Des modèles pour Louis II qui rêve d'en faire autant, vaincre à jamais le chevalier rouge et ses pulsions et atteindre enfin son Saint Graal, la chasteté et la pureté absolue. Dans cette forteresse, Louis II ne séjourne que 172 jours. Il n'a qu'un désir, y accueillir dans ses montagnes sacrées son Dieu, son guide spirituel, celui qu'il appelle son indispensable, le compositeur Richard Wagner, celui à qui il avoue, dès leur première rencontre, « Je vous ai aimé avant de vous voir ». À peine monté sur le trône, Louis II n'a qu'une idée en tête. Rencontrer celui qui a émerveillé sa jeunesse, le compositeur Richard Wagner. Il demande donc à son premier secrétaire, le baron de Pfiffmeister, « Trouvez-moi Wagner ». Le baron dit « De qui parlez-vous, sire ?» Le roi de Bavière regarde son secrétaire en disant « Mais de Richard Wagner, voyons, du plus grand compositeur vivant de notre temps, Richard Wagner, trouvez-le-moi ». Si ce secrétaire ignore qui est Wagner, c'est que le compositeur peine à se faire reconnaître. Les cours et théâtres de toute l'Europe accueillent d'un très mauvais œil ses œuvres, jugées trop modernes et trop chères. À 51 ans, l'homme est à bout de force. Richard Wagner est criblé de dettes. Il va de ville en ville, sans pouvoir trouver son port d'attache. À Paris, il a connu la misère, il a connu des jours sombres. Son avenir se réduisait vraiment à rien, il était vraiment quasiment suicidaire, il avait même écrit une épitaphe que, en fait, c'était un homme de rien, si l'on peut dire. Après des semaines de trac à travers toute l'Europe, le secrétaire de Louis II retrouve enfin le compositeur. Wagner est donc invité à se rendre immédiatement à la cour de Munich, où le jeune roi de Bavière attend impatiemment cet artiste de 30 ans, son aîné.
Nous sommes le 4 mai et ça va être enfin le jour de cette rencontre tellement attendue entre Wagner et Louis II. Chacun rêve de rencontrer l'autre et Wagner, avec son charisme habituel, se précipite vers le roi, se jette à ses genoux et on laisse les deux hommes et pendant une heure et demie, ils vont se confier. Et Louis lui dit tout l'amour qu'il a pour lui. « Je vous connais depuis toujours, je vous adore, je vous idolâtre, vous êtes merveilleux, je vous aime, vous êtes le plus grand compositeur de tous les temps. » Il est hypnotisé par le personnage de Richard Wagner. Cette rencontre est qualifiée historique. Deux grands hommes se rencontrent. Un roi qui est saisi par l'émotion, il rencontre le dieu de son enfance, celui qui a bercé sa jeunesse par ses mythes, par ses légendes. Et Wagner trouve son sauveur, son ange protecteur. Majesté, il y a 2 semaines, j'étais au fond du gouffre. Je voulais quitter ce monde hostile pour toujours. Vous êtes divin. Mon roi. Et là, Wagner comprend qu'il va pouvoir tout obtenir de ce jeune homme puissant qui connaît sa musique aussi bien que lui. Le jeune souverain n'a qu'un désir, permettre au maître de créer dans les meilleures conditions possibles. Et pour cela, sa générosité est sans limite. Louis II va faire pour Richard Wagner ce qu'aucun souverain n'a fait pour ses favorites, même à la cour de Louis XIV. D'abord, il lui offre la nationalité bavaroise. Une rente est directement décidée par le roi auprès de son cabinet, et c'est celle qui correspond au salaire d'un ministre. C'est quand même assez considérable pour un artiste. Il paye la totalité de ses dettes, mais il va plus loin. Il l'installe dans une ravissante maison dans l'un des quartiers les plus sélects, les plus raffinés de Munich. Aux yeux de Louis II, le génie musical de Wagner est inestimable. Il ne désire qu'une chose, que ses œuvres soient universellement reconnues, car pour lui, il n'y a pas de plus grand enchantement que d'assister aux opéras de celui qu'il considère comme son dieu. Il savait que dans sa journée, le soir à 20h ou à 7h, j'en sais rien, à l'opéra de Munich, pendant 2h, 3h, 4h, 5h, il allait totalement oublier ce quotidien en partant très loin dans sa tête avec la musique de Wagner. Il est transporté, subjugué. Il est la musique. Il devient Tristan, il devient Parsifal, il devient Lohengrin. Wagner, c'était un trip à l'acide pour Louis II qui lui permettait de partir très très loin. Alors, bien sûr qu'il en était dingue. Il n'était pas dingue de l'homme. Il était dingue de la drogue que l'homme lui procurait. Cette drogue, c'était sa musique. Une drogue, un attachement qui se devine aussi dans leur correspondance. Les deux hommes vont s'échanger plus de 600 lettres qui témoignent de cette passion hors norme. On voit que Louis II, il prend la position de l'adolescente, je dirais presque amoureuse de Wagner. Avec tes grandes envolées lyriques, sans toi je mourrais, sans toi je ne serais rien. On parle de tremblement de volupté, on parle de jouissance. Wagner est l'unique, Wagner est le sublime, c'est ainsi qu'il l'appelle dans ses lettres. On a l'impression véritablement que le roi de Bavière a abdiqué toute notion royale quand il s'agit de montrer par tous les mots possibles combien il est littéralement amoureux, envoûté, subjugué par la personnalité de Wagner. Et pour Wagner, Louis II est le jeune homme ravissant, charmant, envahissant d'une beauté absolue. On a le sentiment que c'est presque une relation amoureuse qui s'établit entre les deux hommes. Or, il n'en est rien. Louis II était sincère. Wagner n'était pas du tout sincère dans sa relation avec Louis II. Richard Wagner comprend très vite que l'amour absolu de Louis II est aveugle. Il va donc habilement profiter de cette dévotion pour manipuler le roi comme il l'entend et profiter de ses largesses. Il lui en faut toujours plus, avec un mauvais goût parfait. Il lui faut plus de soirées, plus de bijoux. Il adore les robes de chambre, il en commande jamais une ou deux, c'est toujours par dizaines ou par douzaines, que ce soit pour la nourriture, que ce soit pour les vêtements, que ce soit pour les rideaux, il ne sait jamais être raisonnable. Louis paye, paye et paye encore. Les dépenses toujours plus folles du roi pour son favori affolent la population. La presse munichoise dénonce cette relation inacceptable. C'est un scandale! Et les caricaturistes se déchaînent contre tous les faits et gestes de Richard Wagner.
Ce journal humorique de Munich montre très bien les caricatures qu'on faisait contre Wagner. On voit ici M. Wagner qui entre dans la résidence. Il veut faire tout simplement une petite visite à la caisse royale. Mais ce que c'est devenu montre cette caricature ici. On voit vraiment M. Wagner qui fait de la musique pour Munich et des milliers de sous qui sortent de la caisse royale pour entrer dans la caisse privée de M. Wagner. Parmi les caricatures, il y en avait qui étaient tellement significatives pour la situation. Par exemple, le roi qui prend sa couronne et met Wagner sa couronne sur la tête et Wagner qui met son béret sur la tête de Louis II. Par cette situation, Wagner était de plus en plus détesté à Munich. Mais dans une Bavière traditionnelle et profondément catholique, c'est une autre facette du compositeur qui va mettre le feu aux poudres. Wagner est un homme qui ne peut pas vivre seul. Wagner est un homme qui aime profondément les femmes. Et il fait venir à Munich sa maîtresse, Cosima von Bülow. Amante de Wagner, Cosima est pourtant mariée au chef d'orchestre et meilleur ami du compositeur, Hans von Bülow. C'est donc un incroyable ménage à trois qui s'installe sous le toit du protégé de Louis II. Toujours est-il qu'elle tombe enceinte d'un Xème enfant, et celui-là, on sait très bien qu'il n'est pas de von Bülow, qu'il est de Wagner, mais ça fait rien, von Bülow endosse aussi la paternité. Si les Munichois déplorent les frasques de Wagner, Louis II est loin d'imaginer qu'une femme puisse s'interposer entre lui et l'objet de toutes ses adorations. Louis II refuse de comprendre. Il interroge une fois Wagner en disant « Mais est-ce que Cosima est votre maîtresse ?» Et Wagner jure ses grands dieux que non, que c'est juste une amie très chère. Comme la sexualité pour Louis II de Bavière est une espèce de tabou, il ne voyait pas ces choses-là. Mais le peuple le lui rappelait. Cette liaison sulfureuse est le scandale de trop pour la société bien pensante bavaroise. La révolte gronde. Et les Munichois demandent avec les ministres le renvoi de Wagner, qui est considéré comme une seconde Lola Montez. Et Louis II est obligé de choisir entre son peuple et Wagner. Et c'est le cœur déchiré donc, qu'il demande à Wagner de quitter Munich en décembre 1865. C'est en Suisse que Richard Wagner se réfugie avec Cosima. Et si Louis II continue à soutenir discrètement son compositeur, les deux hommes ne se voient plus que très rarement. Au bout de 7 longues années, le maître parvient enfin à faire oublier ses frasques. Il peut revenir en Bavière. Et c'est en 1872 qu'il s'établit avec sa famille dans la petite ville de Bayreuth, au nord du royaume. Là, sur le point d'achever son œuvre majeure, il cherche à bâtir un théâtre qui réponde à toutes ses exigences artistiques. Ce sera le Festspielhaus. Wagner, avec le Festspielhaus de Bayreuth, a une idée en tête. C'est un énorme projet mégalomane. Il a l'envie, enfin, d'avoir son propre opéra pour y jouer ses propres œuvres. Pour ce projet extrêmement coûteux, il n'a qu'une alternative, faire appel à Louis II de Bavière. Il a recours au chantage. Si vous ne financez pas au mon roi, délicieux roi, tout ce que vous voulez, mon grand projet de Bayreuth, je trouverai un autre pays qui le fera. On m'attend en Amérique, ce qui n'est pas sûr du tout. Alors là, quand même, Louis s'épouvante et il se dit non, il faut qu'il reste. Ce rêve est un rêve allemand, il faut que ça soit à Bayreuth, ça ne peut pas être l'Amérique. C'est donc encore grâce à l'aide du roi que ce temple dédié au génie de Richard Wagner peut enfin voir le jour. Le 22 mai 1872 a lieu l'inauguration de Bayreuth avec la pose de la première pierre auquel était convié naturellement le roi Louis II de Bavière, mais auquel il ne pourra pas se rendre. Il va écrire une lettre de bénédiction et Wagner, fort ému de cet événement, décide de sceller sa lettre de discours à celle de Louis II dans une des premières pierres qui va être posée sur le site. Après 4 ans de construction, le Festspielhaus programme enfin sa première représentation. Louis II ne veut en aucun cas rater ce grand rendez-vous. Il décide de quitter ses Alpes bavaroises pour se rendre à Bayreuth. Comme si Louis II avait trouvé un moyen discret de voyager, qui était son train personnel. Et là, quand le train arrive à Bayreuth, il ne veut pas arriver en centre-ville parce qu'il ne veut surtout pas d'accueil officiel, de discours, de toutes ces choses qui le mettent si mal à l'aise. Donc le train s'arrête à l'Ermitage, qui est un château situé un peu en dehors de la ville. Ce château de l'Ermitage, aménagé au XVIIIe siècle par la sœur de Frédéric II de Prusse, Wilhelmine de Bayreuth, est un enchantement pour Louis.
Et c'est ici, loin des tumultes de la ville, que Louis II peut retrouver, en toute discrétion, son guide spirituel, juste avant la grande soirée inaugurale de ce nouveau temple de l'opéra. Il y a le monde entier qui est venu, le monde de la musique, avec quelques-uns des plus grands compositeurs européens. Et puis, il y a l'empereur d'Allemagne qui est là, il y a l'empereur du Brésil qui est là aussi, il y a les grands écrivains romantiques allemands, etc. Et il y a Louis II de Bavière, mais qui a demandé à être incognito. Il ne veut pas qu'on le voie et on ne le verra pas. Il est tout à fait réfugié. Mais il est là pour assister à la naissance de la tétralogie, dont il est en quelque sorte l'autre moitié du couple. C'est la dernière fois que Louis se rend à Bayreuth. La santé de Wagner décline lentement. En 1883, le compositeur décide de partir à Venise afin de se reposer. Et c'est dans la romantique cité des Doges que le maître s'éteint quelques mois plus tard, à l'âge de 69 ans. Louis II, réfugié dans son château de Hohenschwangau, apprend la terrible nouvelle. Il est totalement désemparé. On dirait le chagrin d'un enfant qui a réellement perdu son père. Les rares serviteurs qui sont autour du roi voient un homme qui s'enferme dans sa chambre et qui hurle de désespoir, la tête blottie dans son oreiller. C'est le chagrin absolu d'un homme qui se sent encore plus seul que d'habitude. Et il demande à ce qu'on recouvre les pianos comme celui-ci d'un crêpe noir. Il a ce sens du sacré et pour lui, les mains de Wagner ont touché ce piano et maintenant que Wagner est mort, plus personne n'a le droit d'y toucher. Le roi de Bavière met à disposition son train privé pour faire revenir le corps de son ami le plus cher à Bayreuth. Le compositeur obtient, encore une fois, un privilège royal, celui d'être enterré dans son propre jardin. À jamais meurtri, âgé de 36 ans, Louis II choisit de ne pas se rendre aux funérailles. Tant que Wagner créait, qu'il était près de lui, qu'il participait à la création, qu'il aidait, ça donnait un sens féerique à sa vie. Là, tout d'un coup, il se retrouve dans le noir. Il n'y a plus de rêve. C'est avec Wagner, quelque chose se casse pour toujours en lui. Après la mort de Richard Wagner, Louis II n'est plus vraiment le même. Et c'est avec une frénésie supplémentaire qu'il s'attelle à la décoration de son palais des Herrenchiemsee, son Versailles bavarois. Laissez-moi vous faire découvrir, par exemple, cette étonnante commande qu'il fait peut-être en souvenir du compositeur. Un meuble qui est situé ici, dans la première antichambre, et qu'on croit dédié à la musique. Cette armoire haute de 4 mètres est exécutée selon la technique boule incrustée d'écailles de tortue. Elle servait, pense-t-on, à y ranger des instruments de musique, d'où cette taille plutôt insolite. Comme certaines pièces du château, les panneaux que vous voyez sont restés beiges, étaient prévus pour être peints. Ils prouvent malheureusement que cette armoire est inachevée. Ce n'est heureusement pas le cas de l'une des plus somptueuses pièces du palais, la chambre d'apparat. Située au centre du château, c'est même cette pièce que Louis II a tenu à mettre en chantier le plus vite. 7 ans de travail acharné sont nécessaires à la fabrication de la seule tapisserie du baldaquin. Mais comme le dit si bien le roi lui-même, ce palais est un monument conçu non pas pour être utilisé, mais pour être contemplé. Il n'a d'ailleurs jamais osé dormir lui-même dans ce lit-musée. C'est au clair de lune qu'il préfère cette galerie des glaces copiée sur le modèle français. Copiée, mais avec tout de même quelques différences. Le roi de Bavière l'a voulu plus longue et plus décorée. Imaginez-le ici, en train de déambuler seul, des nuits entières, en récitant ses poésies préférées, éclairé des 220 appliques et candélabres et des 2000 bougies à allumer manuellement. Cette galerie exceptionnelle, qui ne sert à aucun bal, à aucune réception, n'existe
que pour briller à ses yeux, même si tout ici n'est qu'imitation et trompe-l'œil. Tel un nouveau roi soleil, Louis II se rêve dans cette galerie magique en compagnie de deux icônes, deux femmes qu'il vénère et place au-dessus de tout, Marie-Antoinette et Sissi, la très belle impératrice Élisabeth d'Autriche, sa petite cousine, sa confidente, son double. Si Ehrenchiemsee est un hommage à Louis XIV et à Versailles, le palais baroque de Lindenhof, encerclé par les montagnes bavaroises, est inspiré du Petit Trianon et dédié à Marie-Antoinette. Une véritable icône pour Louis II. Le buste de cette reine, martyr comme il la nomme, domine les jardins. Louis II n'est jamais passé devant ce buste sans le saluer, avec beaucoup de respect. Il reculait pour ne pas tourner le dos au buste de la reine. La reine de France est pour lui ce modèle délicieux, de grâce, de beauté, d'élégance, de poésie. Elle est un peu cette figure féminine magnifiée dont il a besoin, parce que s'il n'aime pas les femmes charnellement, il les aime quand il les place sur un piédestal. Une autre femme partage ce piédestal. Une femme bien vivante. L'impératrice d'Autriche, sa cousine Sissi, est sans doute celle que Louis II place au-dessus de toutes les autres. On a laissé penser qu'il était amoureux d'elle, pas du tout. Il était peut-être épris de ce double de lui qu'il voyait en elle. Ils sont épris d'absolu tous les deux. Ils trouvent que la réalité est souvent beaucoup moins belle que le rêve. Et ils se comprennent. Ils se comprennent à mi-mot. Ce sont des âmes sœurs, en fait. Comme elle était épouse de chef d'État, qu'elle était impératrice et que lui était roi, c'était peut-être la seule personne qui pouvait comprendre à quel point c'était dur pour lui de vivre dans ce perpétuel mensonge, condamnation, déni, solitude, contrainte. Comme son cousin Louis II, Sissi est une impératrice différente, attachée plus que tout à sa liberté, ne supportant aucun protocole, abhorrant la mesquinerie d'une cour figée dont elle se sent prisonnière. Ils ont la même détestation pour l'étiquette et on sait combien celles de la Hofburg de Schönbrunn sont terribles. À la cour d'Autriche, Sissi sème le désordre. Elle bafoue les conventions, elle boit de la bière à table, elle refuse de porter ses gants à table, elle sort seule dans Vienne, elle fume. Donc elle fait tout pour provoquer. C'est la même impossibilité à vivre une réalité à laquelle ils sont condamnés, l'un comme l'autre. Lorsque l'impératrice parvient à s'enfuir de Vienne, qu'elle déteste, c'est avec un plaisir infini qu'elle retrouve son cousin pour partager leur mal de vivre. Des rendez-vous dans un cadre poétique et enchanteur sur une île du lac de Starnberg, le chalet de l'île aux Roses. Le lieu sans doute le plus intime du roi et le plus secret. Au plus haut de cette villa, il y a une tour, et là, il la guette, il la voit arriver. Voilà le vapeur. Le vapeur s'appelle le Tristan, et il attend, il est d'une impatience folle. Jusqu'au bout, il se délecte de l'arrivée d'Élisabeth, et elle le sait d'ailleurs. C'est aussi un jeu entre eux, une connivence, je dirais un amour très platonique, mais très épanoui dans la poésie. Oh, c'est presque un rendez-vous, c'est même un rendez-vous d'amour. Et parler d'amour pour ces deux êtres, c'est partager leurs rêves. Des rêves d'art et de poésie. On pourrait dire que c'est l'enclos des confidences. C'est le seul endroit où Sissi et Louis II peuvent échanger ce qu'il leur est impossible d'échanger tant à la cour de Vienne que lui dans son entourage. Il l'amuse, il la fait rire aux éclats. Elle se dit, mon Dieu, mais dans quel monde, mon pauvre Ludwig, es-tu tombé? Nous n'avons pas de chance. Et on ose dire que les rois sont libres. Alors que tu le vois bien, nous sommes entravés, que le plus simple de nos sujets est plus libre que nous. Oublie tes rêves. Les rois ne laissent guère de traces dans l'histoire. Nous sommes en vitrine. L'histoire nous oubliera. À moins qu'un fou ne parvienne à nous rendre importants en nous assassinant. Il arrive parfois que l'un ou l'autre n'est pas
au rendez-vous. Alors, comme deux enfants, Sissi ou bien Louis II, laissent dans ce secrétaire un billet qui est destiné à celui ou à celle qui va arriver. Des billets signés de l'aigle ou de la mouette, leur surnom préféré. Elle, elle adore la mer, donc la mouette. Et lui va de plus en plus haut sur les cimes des montagnes. Tous les deux sont en fuite. Tous les deux ne se réalisent finalement qu'en partance. Et c'est une partance perpétuelle. La Méditerranée pour l'impératrice d'Autriche, qui adore bien sûr la Grèce, Madère, Corfou, ces endroits où elle a fait d'ailleurs construire des villas ravissantes. Et la fuite pour Louis s'exprime à travers ces constructions. Louis n'a pas beaucoup voyagé dans sa vie. Tous les deux fuient dans le monde du rêve, dans un monde qu'ils se sont fabriqués eux-mêmes pour échapper aux vicissitudes du réel. Pour vivre ses rêves, Louis II choisit de s'éloigner le plus possible de Munich et de la résidence royale. C'est loin des regards qui le scrutent et qu'il déteste depuis l'enfance qu'il parvient à supporter son quotidien. Depuis toujours, il est un enfant timide, renfrogné, taciturne, et au fil des ans, cette timidité, cette agoraphobie, cette peur d'être vu vont s'accentuer. Il ne se fait plus servir que par une poignée de laquais intimes dont il connaît les visages, qui sont tous d'ailleurs de très beaux garçons. On ne peut plus regarder le roi, qui lui-même ne veut plus être le point de mire, finalement. Le regard de l'autre lui est devenu complètement insupportable. Dans le regard de l'autre, il ne voit que jugement. D'autant plus insupportable que le roi, si beau dans sa jeunesse, est devenu, à plus de 30 ans, un colosse de 120 kilos, aux dents gâtées par l'abus de champagne et de sucreries. La nourriture est pour lui un refuge, comme ces châteaux inaccessibles, loin des regards. Le regard des autres est un regard sur son homosexualité très culpabilisé, et d'une manière générale, il va fuir les autres qu'il va de plus en plus vivre comme menaçant, comme persécuteur. Pour fuir les autres, Louis II non seulement s'éloigne de la capitale, mais il choisit aussi le monde de la nuit. C'est à 18 heures que le roi se lève et prend un solide petit déjeuner avant de commencer sa vie de rêve, éveillé. La nuit débarrasse le royaume ou le monde de la foule abominable et abominée. Tout le paysage lui appartient, la nuit, à personne. C'est le royaume de tous les fantasmes. La nuit, tout est permis. Louis est face à ce sentiment exaltant d'une liberté totale. Et puis, il y a celui qu'on peut prendre par la main sans être jugé, à qui on peut faire l'amour, quand les jeunes serviteurs se sont simplement détournés. Alors, par les belles nuits d'hiver, il prend l'habitude de sortir avec son traîneau. Un traîneau imaginé dans un style rococo. Le traîneau que vous voyez derrière moi est très moderne pour l'époque, car il dispose de l'électricité. Et c'est sûrement l'un des premiers véhicules qui en a été doté en Bavière. Le roi pouvait ainsi circuler la nuit, éclairé par ses lanternes. La batterie se trouvait sous la banquette sur laquelle Louis II était assis et habillé de son manteau d'hermine que le tsar lui avait offert. Il voyageait ainsi toute la nuit. Bien que ses promenades en traîneau se déroulaient à l'abri des regards, il était très important pour lui que l'on respecte tout un cérémonial de cour. Ses valets étaient par exemple costumés en habits de gala, à la mode de Louis XV, et pour éviter les regards indiscrets, il y avait toujours un guetteur qui devançait le traîneau. Si Louis II costume ses laquais et ses valets avec des livrées à la mode sous Louis XV, c'est que l'histoire est l'une de ses passions. Elle est indispensable à sa vie quotidienne. L'histoire lui permet de quitter le réel, de quitter son époque, de se tourner vers la grande époque de la royauté française, qu'il imagine être la période idéale. Comme il aurait aimé être Louis XIV, comme il aurait adoré être Louis XV. Louis II, c'est un roi qui se prend pour le roi.
et il a des exigences très strictes. Ses valets doivent baisser le regard quand il s'adresse à lui, doivent s'agenouiller devant lui quand il lui demande quelque chose. Alors, les psychiatres savent bien qu'un cocu, il peut faire un délire de jalousie. Et Louis II, c'était un roi qui faisait un délire de royauté. Il aurait aimé finalement être tout, sauf ce roi de ce 19e siècle qu'il considère comme tellement vulgaire. C'est assez extraordinaire quand même cette espèce d'évasion de Louis II qui saisit des personnages pour partir très très loin dans l'imaginaire et qui les fait revenir dans sa vie quotidienne en créant un décor qui leur correspond. Les décors qui lui permettent de s'évader et de jouer à ce qu'il n'est pas, Louis II les multiplie. Outre ses châteaux à la gloire de la légende du Graal ou de la royauté française, le monarque se fait aussi construire autour d'un frêne majestueux une cabane digne des anciens Germains. Un vrai décor de scène en pleine nature, dans lequel il se délecte la nuit à contempler des jeunes hommes invités à y festoyer à coups d'hydromel. Il donne généralement ce qu'on pourrait appeler prosaïquement des soirées à thème. C'est-à-dire qu'il va demander à ces braves garçons de se travestir, de revêtir soit des toges grecques ou romaines, soit ces braies blanches que portaient les anciens Germains. Et là, évidemment, ça dégénère gentiment et ces garçons vont faire l'amour devant lui. De la même manière, il se fait édifier dans le parc de Lindenhof la reconstitution d'un pavillon mauresque digne des mille et une nuits. Il était tombé en admiration devant ce kiosque à Paris pendant l'exposition universelle. Il a fait transporter par train les 300 pièces détachées pour le faire recomposer comme un puzzle ici. Et effectivement, quand on arrive et qu'on se trouve devant cet objet oriental, ça a quelque chose de complètement surréaliste, complètement fou. Alors ici, on entre dans le rêve de Louis II avec cette fontaine orientale qui évoque l'Alhambra. Les domestiques devaient se mettre des costumes arabes pour que quand ils lisent et quand ils regardent, ils voient alors l'Arabie autour de soi-même. Il avait toujours besoin de planter un décor pour s'imaginer être quelqu'un d'autre et autre part. Pour que le rêve soit parfait, Louis II veille à tous les détails lorsqu'il s'agit de commander le mobilier de ses décors nécessaires à son bonheur. Amoureux du XVIIIe siècle, il ne cherche pourtant pas seulement la réplique d'un style révolu. Louis II ne souhaitait pas fabriquer de simples copies, même s'il s'est beaucoup inspiré à Lindenhof du style Louis XV. Il voulait aussi y ajouter sa touche, sa signature en quelque sorte. Alors même si ces pièces exceptionnelles sont inspirées du rococo, elles sont encore plus extravagantes, plus ouvragées, plus extrêmes que les originales. Cela devient des pièces uniques, signées Louis II. Des pièces uniques, très recherchées des collectionneurs, comme cette commode vendue cette année aux enchères à Vienne pour plus de 120 000 euros. Amateur de style, le roi l'est aussi des mécanismes les plus royaux. Louis II avait noté qu'au Petit Trianon, Marie-Antoinette avait fait installer un mécanisme qui faisait descendre la table au sous-sol pour qu'on la couvre du festin et qu'on la remonte ensuite. Louis II s'est fait construire le même mécanisme dans la salle à manger de Lindenhof. Donc la table disparaissait dans les sous-sols et remontait couverte de victuailles. D'ailleurs, il fait tout comme à la cour de Versailles et il invite à souper Louis XVI et Marie-Antoinette. Il se lance dans d'interminables conversations. Il rit avec la reine de France. Il s'adresse à elle comme s'il était en fait son époux, mais un époux imaginaire. Là, on pourrait penser que c'est une preuve de folie, mais pas du tout. Il dit ce que j'aime bien dans mes invités royaux, c'est que sur un claquement de doigts, je peux aussitôt les répudier. Le rêve, le roi le trouve dans ses décors, mais aussi au théâtre. Amateur de pièces historiques et de drames romantiques, il commande 450 textes qui mettent en scène les rois et favorites qu'il adore. Que ce soit dans ses résidences royales, que ce soit parfois d'ailleurs au Grand Opéra de Munich, la troupe de comédiens ou de chanteurs va jouer pour un seul spectateur, le roi de Bavière.
À la fin du spectacle, il demandait aux comédiens de ne pas saluer, parce que saluer, ça veut dire que c'est la fin du rêve, et de partir sur la pointe des pieds sans faire aucun bruit. Et Louis continuait son rêve, il se remémorait toute l'histoire. Et pour prolonger l'illusion, Louis II n'hésite pas à inviter certains des comédiens dans ses châteaux. C'est le cas de Joseph Kainz, un beau jeune homme de 23 ans, convié à Linderhof dans la grotte magique dédiée au Tannhauser de Richard Wagner. Une grotte où l'attend le roi, assis dans sa barque, en forme de coquillage. Il vogue sur l'eau, devant un Joseph Kainz qui ne sait absolument pas quoi lui dire, qui s'emberlificote dans une formule de politesse complètement alambiquée, qui salue, salue, salue encore, et le roi le regarde avec un mépris absolu, remonte dans sa nacelle et disparaît. Quand Louis s'éprend d'un acteur, ce n'est pas l'homme qui l'intéresse, mais c'est le personnage qu'il incarne. Joseph comprend qu'il a fait une erreur énorme et le lendemain, évidemment, devant le roi subjugué, il va commencer à déclamer et là, le roi est en transe encore, encore, encore et encore. Le comédien dont Louis II s'entiche est un monsieur à qui tombe sur la tête quelque chose d'horrible. Il n'a pas le droit de dormir, il n'a pas le droit de manger, car c'est un pur esprit, puisque c'est un personnage de théâtre. Il n'a pas le droit de quitter son costume, il doit déclamer des vers ou chanter sa partie, même la nuit, et pourquoi pas toute la nuit. Louis a fait le deuil de tout ce qui est vivant, finalement. Et pour exister face à lui, il faut non pas être un homme ou une femme de chair et de sang. Il faut, au fur et à mesure que le temps passe, n'être plus qu'une incarnation finalement, qu'une idée incarnée. Extravagant, mêlant au point de s'y perdre le rêve et la réalité, Louis II est un homme fou de beauté, mais qui ne s'aime pas. Et s'il ne cesse à Ehrenkimsee de représenter de mille façons son modèle favori, Louis XIV, on a bien du mal à trouver un seul buste ou portrait de lui dans tout le palais, à une exception près. Et alors, il faut avoir de bons yeux. Suivez-moi. Dans ce précieux cabinet tout en porcelaine de Meissen, un cabinet qui a dû, vous vous en doutez, lui coûter une fortune, on peut en effet découvrir ce tout petit portrait du monarque de profil et couleur sépia. Une nouvelle lubie de Louis II ? En aucun cas. Ce médaillon, seul portrait du roi existant ici, n'est dû qu'à la liberté et à la désobéissance de l'artiste. Une désobéissance que le souverain n'a même pas eu le temps de réprimer parce que cette porte avec le médaillon n'a été livrée qu'après la disparition du monarque. Pour sa chambre personnelle, Louis II choisit le bleu, sa couleur fétiche, mais aussi la couleur de la Bavière. Plus insolite, il imagine la présence près de son lit de cette veilleuse étonnante pour colorer ses nuits, ou plutôt ses jours, parce qu'il dort durant la journée. Maniaque, il charge même un technicien illuminateur de chercher avec lui la bonne coloration. Et il lui faut presque 2 ans et une interminable série d'essais pour enfin parvenir à recréer la couleur de la lune souhaitée. Le grand bureau de Ehrenkimsee est évidemment dominé par l'imposant portrait de celui à qui Louis II rend hommage et qui est le héros de tout ce palais, le roi Soleil. D'ailleurs, pour la petite histoire, la construction de ce palais en 1878 est d'abord gardée secrète sous un nom de code, Meikost et Tal, qui n'est autre que l'anagramme du mot célèbre qu'on prête à Louis XIV, l'État c'est moi. Mais ne croyez pas que dans cette pièce imposante, le souverain accorde des audiences et gouverne son royaume. Il n'a de cesse de fuir les affaires politiques qu'il juge triviales et mesquines. Et surtout ses ministres, qu'il qualifie d'affairistes corrompus. Un jugement que malheureusement, la fin de son règne
illustre de façon particulièrement dramatique. À la tête d'une monarchie constitutionnelle, Louis II doit partager son pouvoir avec un parlement et des ministres. Un système politique dont les obligations ennuient profondément le jeune souverain. Louis II ne s'intéresse pas à la politique en général. D'ailleurs, son père l'avait tenu à l'écart des affaires politiques. Et quand il est intronisé, il prend certes sa tâche au sérieux, mais il n'a pas été préparé à sa future tâche de roi. La politique de tous les jours, ça ne l'intéressait pas. Il appelait ça les fadaises de l'État. Pour lui, c'est monstrueux, c'est trivial, c'est être à la tête d'une armée. La politique, c'est signer des condamnations à mort. Tout ce qui est militaire l'ennuie à mourir, mais vraiment à en mourir. Tout ça, il le tourne en dérision. Et parfois, il passe ses troupes en revue avec un parapluie à la main, ce qui veut dire que tout ce qui est militaire l'insupporte et il préfère se réfugier, comme il le dit, dans son rêve d'art, dans son rêve artistique, dans les cimes de son idéal politique. Mais ce doux roi rêveur est très vite rattrapé par la réalité. À l'époque, la Bavière est un royaume indépendant, parmi les 35 États qui composent la Confédération germanique. Et au sein de cet ensemble, un homme nourrit de grandes ambitions pour son royaume. Cet homme, c'est le chancelier de Prusse, Otto von Bismarck. Bismarck fait peur. Bismarck a un seul souhait. Le chancelier de fer, comme on l'appelle, veut unifier l'Allemagne sous la houlette de la Prusse. Il va prendre tous les prétextes possibles et imaginables, justement, pour faire avancer la cause de la Prusse. Et c'est ainsi qu'en 1866, la Prusse déclare la guerre à l'Autriche. Louis II, poussé par ses ministres, est contraint de s'engager dans ce conflit. Louis, la Bavière doit se battre aux côtés de l'Autriche contre les Prussiens. C'est la réalité, que vous le vouliez ou non. À tout juste 20 ans, il doit choisir son camp dans cette guerre fratricide. Il est apparenté par sa mère à la Prusse, il est apparenté par l'impératrice Élisabeth à l'Autriche. Il n'a pas du tout envie d'entrer dans ce conflit. Il trouve que la Bavière n'a rien à voir avec cette guerre. Il a envie de laisser un peu tout le monde s'étriper, puisqu'ils tiennent tellement à s'étriper. Et c'est à contre-cœur qu'il va signer donc le décret de mobilisation de la guerre de 1866, où il s'allie avec l'Autriche. Et c'est une véritable guerre civile qui éclate en Allemagne. Louis II reste prudent et n'envoie que très peu d'hommes sur le champ de bataille. Après 7 semaines de conflit, la Prusse terrasse l'armée autrichienne lors de la terrible bataille de Sadowa. Une véritable hécatombe pour les soldats autrichiens. La frilosité du roi de Bavière a pu préserver la vie de ses troupes, mais il ne peut plus empêcher la mainmise prussienne sur les États allemands. Et le redoutable chancelier de fer ne compte pas en rester là. Bismarck réussit à imposer une alliance militaire à la Bavière qui stipule plus ou moins que les troupes bavaroises devront s'intégrer ou s'engager dans un conflit ultérieur aux côtés de la Prusse. Un nouveau conflit ne va d'ailleurs pas tarder. En 1870, c'est auprès de la Prusse et de Bismarck que Louis II est obligé d'entrer en guerre contre la France. Une mobilisation qui répugne tout particulièrement le jeune souverain. Louis II signe la mobilisation à contre-cœur, c'est pour lui un déchirement, c'est la France qu'il aime depuis toujours, la France absolutiste de Louis XIV, de Louis XVI, Louis XVI qui était le parrain de son grand-père. Il regrette sûrement au fond de lui-même d'avoir à prendre les armes contre la France, mais il reste que la réalité politique l'y contraint. Oui, il a donné ses 150 000 hommes, la mort dans l'âme en ayant l'impression de commettre une horrible trahison, c'est sûr. Cette guerre que Louis II n'accepte pas se déroule sans lui. Il refuse en effet de prendre la tête de son armée qui doit partir au front. Louis II de Bavière suit avec indifférence le cours de cette guerre. Il se retire dans son château de Berg et sa parole à ce moment-là est loin de tous, car il est écœuré par toutes ses affaires militaires. Il est épuisé. Loin donc du château de Berg, le 2 septembre 1870, à Sedan, l'empereur Napoléon III est capturé par les troupes allemandes. La France est vaincue.
Louis II était, quand il a entendu que la guerre était gagnée contre la France, était triste. Ma pauvre, ma chère pauvre France. Il était vraiment triste que la France, ce peuple qu'il adorait tellement, a perdu cette guerre. Bismarck peut enfin réaliser son rêve. Un grand empire allemand avec la Prusse à sa tête. Pour que le rêve de Bismarck soit tout à fait couronné, il fallait que le vieux roi Guillaume, qui n'arrivait pas beaucoup à maîtriser la fougue de son ministre, ne soit plus simplement roi, mais devienne empereur. Bismarck veut que ce soit un souverain qui, au nom des autres souverains allemands, présente cette demande au roi de Prusse. Et là, Bismarck fait le choix de Louis II. Le roi de Bavière est alors prié par Bismarck de rédiger une lettre officielle à son oncle Guillaume Ier dans laquelle il lui demande d'accepter la couronne impériale. Ce bureau est celui où Ludwig s'est résolu à signer cette lettre qu'il ne voulait pas écrire parce qu'il se considérait comme roi de droit divin et que lâcher une partie de sa royauté pour la confier à l'empereur d'Allemagne, au nouvel empereur, c'était presque un sacrilège à ses yeux. Le 18 janvier 1871, l'Empire allemand peut enfin être proclamé. C'est dans la galerie des glaces du château de Versailles que se déroule la cérémonie, en présence de presque tous les souverains allemands. Louis II brille par son absence. Pour lui, c'est une profanation. C'est comme si le beau qu'était Versailles était profané à travers tout ce militarisme prussien. Et ça, pour Louis II, c'est l'humiliation suprême de la France. Il ne veut pas assister à ça. Mais il faut bien qu'il y ait un représentant de la Bavière. Donc il dépêche son frère Otton. Otton lui écrit des lettres désespérées en disant que le spectacle de tous ces uniformes allemands qui souillent la galerie des glaces lui est totalement insupportable. Louis II est en larmes et il sait que malgré toutes les garanties qu'il a demandées pour que sa Bavière chérie reste indépendante, il sait que la Bavière n'est plus qu'un État parmi les autres États inféodés à la Grande-Allemagne. Privé d'une grande partie de ses pouvoirs, Louis II, âgé de 33 ans, se console dans la réalisation grandiose de son Versailles bavarois. Ehrenchiemsee, un hymne à une nation pourtant vaincue. La France est une façon bien à lui de résister à l'hégémonie prussienne. Dans ce dernier feu d'artifice de pierre et de dorure, le roi ne s'autorise plus aucune limite, tant financière qu'artistique. Un luxe si démesuré que Sissi, sa belle cousine adorée venue secrètement l'admirer, ne peut s'empêcher d'en sourire avec tendresse. Mais ce palais des mirages s'avère aussi un gouffre financier pour le roi. 8 ans après la pose de la première pierre, le chantier doit s'arrêter. Il y avait un tel montant de factures qui n'étaient pas payées qu'on a pu dire, voilà Majesté, vos caisses sont vides, c'est fini maintenant. Vous devez cesser de construire. Et là, le roi le prend extrêmement mal. Je suis le roi de Bavière, j'ai besoin d'argent, donnez-moi de l'argent. Point final. Et là, les ministres refusent. Louis II va faire du chantage et va dire qu'il va remplacer ses ministres par son coiffeur et par ses valets. Et enfin, je pourrai renvoyer tout le cabinet, tous les ministres, tous. Et ce qui signifie pour les ministres que Louis II sombre dans la folie. On va déposer le roi Louis II. C'est la seule solution pour que l'État royal de Bavière s'en sorte. Là intervient un personnage assez sinistre, qui est son oncle Luitpold, qui a des ambitions pour lui-même, et qui dit au ministre, vous ne pouvez pas déposer le roi comme ça, il est follement populaire, ça va créer une guerre civile, c'est pas possible. J'ai une autre idée, cette idée c'est de faire déclarer Louis fou. Déclarer la folie du roi, c'est dans la constitution bavaroise le seul moyen de le destituer. Car si une maladie empêche le souverain de régner plus d'un an, la régence doit être immédiatement prononcée. Alors, Lutz, le Premier ministre, il va demander à son ami, le professeur von Guden, qui est la grande sommité de la psychiatrie
à Munich de rédiger une expertise pour dire que Louis de Bavière est fou et qu'il ne peut plus assumer ses fonctions de roi. Le docteur Goudin n'examinera jamais le roi. Il ne se fondera pas sur des faits, mais sur des témoignages, sur les excentricités du roi qui vivait la nuit et dormait le jour, sur les messages qu'il adressait à ses valets. Il y en a un qui va dire que le roi l'a frappé, que le roi avait des colères épouvantables et qu'il saccageait tout autour de lui. Qu'il jetait certains laquais dans les oubliettes, qu'il en marquait d'autres au fer rouge, qu'il prenait sa ceinture, qu'il les cravachait au sang, qu'il les obligeait à danser nus devant lui, à lutter nus devant lui, et ainsi de suite. Mais l'enquête ne s'arrête pas là. Les médecins utilisent aussi les antécédents familiaux du roi. Du côté des Wittelsbach, le frère de Louis, Othon, est interné. Il avait des moments où il se prenait pour un chien. Alors il mordait et il aboyait. C'est un homme, par exemple, qui en pleine église se met à genoux devant l'archevêque et se met à hurler devant l'assistance qu'il a entretenue des relations sodomites avec le Christ. Et du côté des Hohenzollern, du côté donc de la mère de Louis, sa tante avait été internée pour folie. Donc, des deux côtés, il y a des troubles mentaux sévères. Le diagnostic des médecins est aujourd'hui conservé dans les archives secrètes de la maison Wittelsbach. Voici le fameux rapport psychiatrique rédigé par le docteur von Guden et trois de ses collègues. À partir de leurs nombreuses observations, ils ont conclu que le roi souffrait d'une maladie mentale. La paranoïa. Aujourd'hui, les médecins diagnostiqueraient plutôt la schizophrénie. Mais l'élément déterminant de ce rapport dit que la maladie du roi est incurable et que par conséquent, il n'est plus apte à régner. Deux jours après la publication de ce rapport, l'oncle de Louis II, Louis-Polt de Bavière, est proclamé prince régent. Il s'empare du pouvoir. Mais il reste un dernier détail à régler, et pas des moindres, en informer le roi. Les ministres se posent la sempiternelle question, où est le roi ? Où est le roi ? Donc il faut le trouver, on veut bien l'arrêter, on veut bien le destituer, mais physiquement parlant, il faut bien le trouver. Après maintes vérifications, le roi est enfin localisé. Il séjourne au château de Neuschwanstein. Et le 9 juin 1886, en pleine nuit, une délégation composée de ministres et de psychiatres vient lui signifier son internement et la régence de son oncle. Au nom de Sa Majesté, le prince régent Louis-Polt de Bavière, ouvrez cette porte. Le roi a été prévenu par des amis du complot qui se trame. Et au moment où les ministres décident de forcer la porte, eh bien, ce sont des militaires armés qui les attendent. Quoi ? On va jusqu'à jeter les ministres en prison. Va-t-il les faire exécuter ? Ils commencent à avoir réellement peur pour leur vie. Louis II réfléchit, va-t-il agir ? Ne va-t-il pas agir ? Mon Dieu, que faire ? Et là, Louis, qui a trop bon cœur, au bout de 2 heures, se dit « Oh, les pauvres, ce sont des vieux messieurs, je vais les renvoyer à Munich, ils seront mieux. » Il fait libérer les ministres, qui, eux, très rapidement, vont utiliser ce temps, vont envoyer des télégrammes, vont bloquer les issues, vont bloquer les communications. Bismarck, alerté de la situation, touché par ce roi si peu attaché aux affaires d'État, télégraphie à Louis II un seul conseil. Présentez-vous de toute urgence à Munich, devant le peuple. Qu'ils disent, voilà, il y a eu un complot contre moi, je vous montre que je ne suis pas fou, que je suis capable de régner, que mon peuple m'aime. Au contraire, il se terre toujours dans son éloignement et sa solitude. Ça, c'est la très, très grave erreur qu'il va commettre. Le piège se resserre autour du roi qui est réfugié ici, dans sa forteresse de Neuschwanstein. Le souverain répugne à fuir hors des frontières pour demander de l'aide, ou même à se battre pour sauver son trône. Isolé, il préfère renvoyer la plupart de ses domestiques et arpenter le château crépusculaire en proie à des idées noires. Il demande même à son valet Mayer la clé de la plus haute tour, une clé qu'on lui assure introuvable.
À un autre, le fidèle Weber, il affirme « Chercher à me détrôner, soit, mais me faire passer pour fou, je ne peux pas le supporter. » La situation semble de plus en plus inextricable. À une heure avancée de la nuit, le docteur von Guden se présente une nouvelle fois au château, accompagné d'infirmiers et de gendarmes. Louis II refuse de les recevoir. Le psychiatre pense alors à un stratagème. Annoncer au monarque que la porte de la tour est enfin ouverte et que la fameuse clé a été retrouvée. Un vil guet-apens. À peine le roi se précipite-t-il vers la tour d'où il pense sans doute se jeter, qu'il est capturé par les gendarmes. Une grande lassitude alors le prend. Touchante lorsqu'on imagine qu'il s'agit du roi de Bavière, un colosse de 120 kilos qui ne cherche même plus à se débattre. Après cette triste capture, se déroule dans ce bureau une scène surréaliste. Louis II, très lucide, interpelle le médecin. « Mais comment pouvez-vous me considérer comme malade mental? Vous ne m'avez jamais examiné. » Von Guden, posément, lui répond alors du tac au tac. « Ce n'était pas nécessaire. Les documents sont suffisants et accablants. Nous allons vous soigner avec une cure appropriée pendant toute une année. » La réponse de Louis II fait froid dans le dos, surtout a posteriori, puisqu'il lui réplique « Cela ira certainement plus vite. Il est si facile de supprimer quelqu'un. » Ce 12 juin 1886, à 4 heures du matin, c'est un roi destitué de 50 ans qui quitte le château de Neuschwanstein. Il est emmené sous bonne escorte dans sa résidence d'été, le château de Berg, situé sur les rives du lac de Starnberg. Isolé, la demeure est le lieu idéal pour enfermer le royal patient. Nous nous trouvons ici devant le château de Berg. C'est plutôt une villa qu'un château, mais c'est l'endroit où Louis II se sentait à l'aise pendant toute sa vie. Il faisait un temps comme aujourd'hui, il pleuvait quand il est arrivé dans son château et il était vraiment stupéfait de trouver des grilles devant les fenêtres, les poignées étaient enlevées et pour le roi, c'était vraiment terrible de vivre maintenant dans ce lieu comme un prisonnier. Pour lui, c'était un cauchemar. Le roi s'installe dans sa chambre, il y a des sangles sur le lit, c'est déjà finalement un endroit destiné à un internement. On a creusé un judas dans la porte pour pouvoir le surveiller jour et nuit, donc il n'a plus aucune liberté, mais même de mouvement. Louis II, au fond, protestait en disant « Mais c'est pas possible, vous ne pouvez pas m'enfermer, je ne peux pas supporter. » « Il est strictement interdit de regarder Sa Majesté !» Et vous vous souvenez que Louis II ne supportait pas la présence d'un valet. Donc que dire de deux infirmiers qui étaient là en permanence, c'était une souffrance intolérable. Il va passer une première nuit dans ce château de Berg en étant calme, ce qui rassure complètement le docteur Guden, qui se dit « Mais mon patient, d'ailleurs il le télégraphie à Munich, mon patient est calme, on ne risque plus rien. » Le lendemain matin, il est temps pour le docteur von Guden de commencer la thérapie. Et en premier lieu, d'écouter les doléances du roi. Il demande à faire quelques pas pour prendre l'air. Alors les psychiatres ont dit à von Guden « Nous préférerions qu'il ne sorte pas. C'est très très imprudent. » Le médecin ne se sent pas le moins du monde en danger. Louis n'est pas d'un tempérament agressif. Il veut absolument établir une relation de confiance avec Louis II. Donc il se dit « Il ne faut pas qu'il se sente surveillé, il ne supporte pas. » Donc il fait un petit signe aux deux infirmiers pour leur dire de s'écarter, de s'éloigner. « Je n'ai pas besoin de vous. Tout est sous contrôle. » Les psychiatres sont très inquiets, mais bon, malgré tout obéissent à von Guden. Et ils vont vers le lac. Et le temps passe. Et le roi, ni le médecin, ne réapparaissent. Et un des collègues du médecin, connaissant l'absolue ponctualité du médecin aliéniste, se dit « Mon Dieu, il s'est passé quelque chose, c'est pas possible. Peut-être, en effet, est-il arrivé un drame. » Et on va immédiatement décider des recherches dans le parc.
armés de torches. Les gardiens passent au peigne fin toute la propriété. La nuit est tombée. Et au bout de 2 heures, on ne retrouve toujours aucune trace des 2 hommes. Comme on craint le pire, il est décidé d'élargir les recherches sur le lac. Avec une barque, on a cherché sur le lac. Et tout d'un coup, on a trouvé ici le roi dans l'eau. Et à côté de lui, son docteur, tous les deux noyés dans le lac de Starnberg. Le roi et son médecin sont morts. Un drame sans témoin, et pourtant très vite, une première hypothèse voit le jour. Le roi et son médecin se promènent sur les rives du lac. Soudain, le roi s'échappe et se dirige vers les eaux glacées du lac. Le médecin, d'abord surpris, se précipite, veut l'en empêcher, le saisit par le col de son manteau. Le manteau tombe, lui en profite pour gagner quelques secondes, une lutte va avoir lieu entre le médecin et le roi. Ce qu'il faut dire, c'est que Louis II mesurait 1m90, je crois, enfin, c'était un colosse. Il était énorme à ce moment-là, enfin, c'était une masse. Voilà. La lutte est inégale. On retrouvera d'ailleurs des traces de strangulation et d'ecchymose. Un des ongles, d'ailleurs, du médecin est retourné. Et puis, une fois que Louis a tué son médecin, il s'élance vers les eaux. Ayant mangé un véritable festin avant cette dernière promenade, il a été pris d'hydrocution en entrant dans une eau très froide. Il est mort d'une congestion. C'est le rapport officiel. Cette théorie a été mise évidemment le jour après dans tous les journaux et partout. Mais déjà à l'époque-là, la plupart des Bavarois n'ont pas cru cette histoire. Très attachés à leur souverain, les Bavarois ne veulent pas accepter cette mort étrange. Ils vont alors échafauder des versions bien plus fidèles à l'image de ce roi des Lunes. Des hypothèses qui divisent encore aujourd'hui les historiens. L'hypothèse vraisemblable, c'est que Louis II, complètement affolé donc par cet internement, se sentant pris au piège d'une certaine manière, est entré dans le lac avec la volonté probable de se suicider. Pourquoi se serait-il suicidé? Il n'avait pas de velléité de suicide, il avait la foi, c'est un roi catholique. Les catholiques qui se suicident, il y en a plein, hein. Il avait péché mortel d'un côté, péché mortel de l'autre, donc de toute façon, il n'y avait aucune solution possible. Deuxième hypothèse, Louis II a voulu fuir. Cette version, la plus romantique, met en scène la cousine de Louis, l'impératrice Élisabeth d'Autriche. Sissi a été traumatisée quand son cousin a été enfermé. Elle disait qu'il ne pourrait jamais résister à cet internement. Elle se trouvait dans un petit hôtel sur les rives du lac de Starnberg. Louis a voulu traverser le lac à la nage pour rejoindre Élisabeth, qui avait dû faire savoir sa présence en envoyant des messages aux domestiques encore fidèles à Louis. On suppose qu'il aurait essayé de nager, qu'un pêcheur serait venu les récupérer et qu'une calèche l'attendait avec Sissi pour lui permettre de s'enfuir. Il existe un télégramme dans les archives à Vienne où l'empereur a dit à sa femme de ne pas se mêler dans les affaires étrangères. Et il paraît que ce télégramme a été répondu par les mots d'Élisabeth. Ce ne sont pas les affaires étrangères dans lesquelles je me mêle, ce sont les affaires familiales. C'est donc en voulant rejoindre sa cousine que le roi se serait noyé. Quant à la présence de Sissi sur les lieux du drame, elle pourrait être confirmée par une étrange visite, le lendemain au château de Berg. On a vu une femme voilée de noir se rendre à Berg, donc on a supposé que c'était Sissi. Les rares témoins de la scène voient cette haute silhouette recouverte de crêpes noires en train de prier devant le lit mortuaire. Voici dans ce reliquaire un petit brin du bouquet de jasmin qu'Élisabeth a posé sur la poitrine du roi quand il était mort au château de Berck. Louis II aimait beaucoup le jasmin et c'est la raison pour laquelle elle a cueilli
dans son jardin à Possenhofen un bouquet de jasmin comme dernier salut aux belles heures qu'ils ont passées ensemble. À Munich, une autre rumeur encore bien plus grave circule. Le nouveau prince régent, Louis-Paulde, l'oncle de Louis II, serait directement impliqué dans ce drame. Il y avait le risque d'une restauration de Louis II si des médecins impartiaux tentaient à prouver que le souverain avait parfaitement recouvré sa raison. Il fallait qu'il disparaisse pour que Louis-Paulde ait vraiment le pouvoir. Le roi aurait pu être exécuté. Face à ces accusations, le gouvernement doit prendre des mesures sans précédent. Un comité extraordinaire composé de 14 médecins est créé pour autopsier le roi. Voici donc le rapport d'autopsie du roi Louis II. En consultant ce texte, on ne peut conclure qu'à une seule chose sur les conditions de son décès. Il n'est pas mort de façon violente. On peut donc immédiatement éliminer toutes les rumeurs qui circulaient à l'époque. D'abord, il n'a pas été noyé. Et ensuite, on peut aussi voir qu'on ne lui a pas tiré dessus. Une blessure par balle aurait été immédiatement remarquée par tous les médecins légistes présents ce jour-là. Si le roi avait été tué par balle, et si on avait voulu cacher ses blessures, alors on n'aurait pas rassemblé une commission aussi importante pour pratiquer cette autopsie. Car plus il y a de témoins, plus il est difficile de faire disparaître les preuves d'un éventuel complot. Des soupçons qu'on s'efforce donc d'effacer grâce à ces 14 témoins. Peine perdue, le doute subsiste. Les ministres tentent alors d'utiliser ce rapport pour justifier médicalement des raisons à la destitution du roi. Et ils trouvent une preuve de taille, le poids d'un cerveau qui serait en dessous de la moyenne. Pour eux, cela suffit à prouver la folie de Louis. Peser le cerveau n'a évidemment aucun intérêt, car la maladie mentale n'a aucun rapport avec le poids du cerveau. Le 19 juin 1886, de fastueuses funérailles sont organisées à Munich. Tout le peuple de Bavière se déplace pour offrir un dernier hommage à ce roi différent qu'ils ont tant aimé. Les Bavarois sont en larmes devant le passage du catafalque. Tout au long du cortège, ce ne sont que des visages attristés. C'est un roi de liberté que l'on enterre. C'est un roi de tous les possibles que l'on enterre. C'est celui qu'on appelait l'amant du clair de lune. C'est l'incarnation du romantisme. Il y avait des nuages très très noirs au-dessus de Munich. On avait peur toute l'après-midi qu'il y ait un grand orage, mais l'orage ne se déployait pas. Et au moment où on emmenait le cercueil dans l'église, une foudre a frappé la croix du clocher de l'église avec une énorme tonnerre. Un dernier coup d'éclat, comme un ultime adieu du souverain à son peuple adoré. Et c'est dans la crypte de l'église Saint-Michel que ce roi, en quête d'absolu, rejoint ses ancêtres. Tous les artisans de Munich ont voulu lui rendre un dernier hommage et lui offrir ce cercueil ouvragé, un dernier décor pour un roi qui a toujours vécu dans le théâtre et dans le décor. Dans l'imaginaire du public, il reste et à jamais ce très beau garçon capable justement de fédérer tous les cœurs et qui brisait justement celui des jeunes filles qui ne savaient peut-être pas tout de ses véritables goûts. Il est l'homme qui chevauche libre, il est celui qui crée, il est celui qui bâtit et il est aussi l'archange foudroyé. Foudroyé, comme le sera, cruel coup du sort 12 ans plus tard, sa cousine Sissi. Celle qui a toujours été son alter ego, son double. Poignardée à Genève, l'impératrice d'Autriche est mortellement atteinte. Et alors qu'on dégrave son corsage, on découvre que son frère spirituel n'a jamais quitté son cœur. On voit d'étranges bijoux sur elle. Il y a un signe en cristal au bout d'une chaîne d'or. Il y a un médaillon. Et dans le médaillon, il n'y a pas le portrait de François-Joseph, mais il y a le portrait de Louis II, mort. Elle ne s'est jamais séparée à la fois de ce médaillon et de ce petit bijou. En quelque sorte, c'est l'hommage, l'ultime hommage
de la mouette à son aigle, qui, au-delà de la mort, sont réunis à jamais. C'est un mariage mystique, mythique, et qui appartient à la légende qu'une manière munificente Wagner a su mettre en musique, à la légende du crépuscule des dieux. Tragique a été la vie de Louis II, une fuite en avant perpétuelle. Tragique a été sa mort, si énigmatique encore aujourd'hui. Seuls ses rêves, plus précieux que la vie, en ont fait un roi heureux. Mais ils lui ont aussi, au final, coûté son royaume. Être de légende si romantique, Louis II nous laisse heureusement en héritage cette aspiration à l'extraordinaire, illustrée par ses châteaux parmi les plus beaux d'Europe, toujours très visités et qui remboursent au centuple les dettes du roi de Bavière. Et comme le dit si bien Verlaine, ému par ce roi hors norme et artiste, « Vous fûtes un poète, un soldat, le seul roi en ce siècle où les rois se font si peu de choses, et que votre âme est son fier cortège or et fer sur un air magnifique et joyeux de Wagner. » Je vous remercie de votre fidélité et je vous donne rendez-vous très prochainement pour un nouveau numéro de Secrets d'Histoire.